Oh, c'est délicieux, je vous le dis pas. J'ai envie de vous gâter un peu, hein. Et je vais vous la donner, ma recette personnelle de soupe de boulettes de sauterelle. Alors, ben, prenez vos crayons invisibles, là, puis vos papiers invisibles, là. Oui, exactement. Ou votre petite affaire électronique. Alors, vous écrivez en haut, là, de votre page invisible, le titre de la recette. C'est soupe de boulettes. Prends la note, tu t'en souviendras pas, je te le dis, hein. De boulettes avec un S de sauterelle. Et là, vous changez de ligne et vous écrivez les autres ingrédients. Et le premier ingrédient, il s'agit de, d'après vous, hein, c'est quoi dans ma soupe de boulettes de sauterelle? Il fallait relier ton titre, mon cher. Exactement! C'est pas si pire, on l'a trouvé vite quand même. Eh bien oui, c'est les boulettes de sauterelle, c'est ça aussi. En fait, avez-vous déjà vu les boulettes durant les sauterelles sauter durant l'été? Là, va falloir que vous réveillez le brin. Là, votre soirée n'est pas finie. Il y a des lanternes à aller voir. Hein? As-tu déjà vu les sauterelles, toi? Ah, et tu sais que les sauterelles, ça sautille comme ça. Et là, si tu regardes comme il faut en arrière de la sauterelle, quand elle s'en va comme ça, des fois, il y a des petites boulettes qui tombent. Hein? Ben, c'est ça, les boulettes de sauterelles. Je vais vous montrer ça. En tout cas, sortez vos longues vues, là, parce qu'on est un peu loin. Alors, c'est des petites boulettes comme ça qu'on va faire sécher tout simplement. Et, ben oui, vous sortez longue vue, c'est ça que je te dis. Regarde. Ah, ben alors, je n'ai plus rien pour toi, là, à part. Non, je ne peux pas le dire pour toi, madame Rosita. Alors, ben là, les boulettes, je les ai déjà mis tantôt avant que vous arriviez. Deuxième ingrédient, vous prenez toujours ça bien en note. Il s'agit d'ongles d'orteil de sirène. Ça, c'est assez rare, les ongles d'orteil de sirène. Savez-vous pourquoi, hein? Oh, ne payez pas l'avoir, là! Exactement, madame, les sirènes, elles ont du poisson. Mais en fait, il y a juste une journée dans l'année où les sirènes, elles ont des orteils. Que je vous explique ça, là. Le 31 juillet, ça, c'est pendant l'été. Alors, imaginez-vous que les sorcières, elles décident, pas les sorcières, mais les sirènes, décident une fois par année d'aller se faire bronzer sur la plage. Alors, toutes les sirènes là, vont sortir de l'eau comme ça en dandinant. Et au moment où leur queue de poisson touche le sable, eh bien, là, pouf, les jambes le poussent. Avec toutes les orteils qui vont après les jambes, là. Et toutes les ongles d'orteils qui vont après les orteils qui vont après les jambes. Alors, vous autres, là, imaginez-vous, là, à ce moment-là, le 31 juillet, ça fait un an que les sirènes ne se sont pas coupées les ongles d'orteils. Vous n'imaginez pas, c'est rendu long comme ça, leurs ongles d'orteils. C'est pour de vrai. Alors, nous, les sorcières, on prend nos balais et on vole au-dessus de la plage et on va toutes leur couper leurs ongles d'orteils. Et on met ça dans des petits pots précieux, hein, qu'on garde dans nos armoires de sorcières, comme ici. Et on en s'enterre dans nos recettes et nos potions. Alors, revenons justement à la recette qui nous intéresse, la soupe de boulettes de sauterelle. Alors, vous mettez...